L'art ancestral, les bijoux Amazigh sont fabriqués en argent et parfois en bronze. Bien souvent, ces bijoux sont décorés de pierres précieuses, gravées et ornées de dessins géométriques et de motifs floraux. Ils sont fréquemment vendus dans les souks de Tiznit, de Tantan et de Guelmim comme dans d'autres villes du Maroc. La tenue traditionnelle sahraoui se compose de vêtements et de bijoux. Les vêtements sont amples dans des couleurs sombres ou très claires. Les bijoux sont en argent et les colliers en loubane. Les tresses soulignent la beauté des femmes sahraouies. Elles portent aussi la melfa, un grand voile qui enveloppe leur corps. Travail réalisé par le prof, l'habib Boudouani. L'art ancestral, les bijoux Amazigh sont fabriqués en argent et parfois en bronze. Bien souvent, ces bijoux sont décorés de pierres précieuses, gravées et ornées de dessins géométriques et de motifs floraux. Ils sont fréquemment vendus dans les souks de Tiznit, de Tantan et de Guelmim comme dans d'autres villes du Maroc. La tenue traditionnelle sahraoui se compose de vêtements et de bijoux. Les vêtements sont amples dans des couleurs sombres ou très claires. Les bijoux sont en argent et les colliers en loubane. Les tresses soulignent la beauté des femmes sahraouies. Elles portent aussi la melfa, un grand voile qui enveloppe leur corps. Travail réalisé par le prof, l'habib Boudouani.